Comment ça va les gars? Bien ou bien? Tranquille, tranquille? Vous avez l'air en forme là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait pendant que j'étais pas là? À 84 avec une carte, Team of Zwick. Après, si t'as 10 joueurs 83, est-ce que tu te fais pas douiller? Oh les gars, POTM de Liga? Il y a Messi et Benzema dans les votes. Honnêtement, si un des deux le win, je pense que je le ferai. Par exemple, moi je suis intéressé par Zamorota. Là, par exemple, il me demande une équipe de 84 de général avec un joueur Team of Zwick. D'ailleurs, j'ai commencé Zamorota, les gars. Pour l'instant, j'ai fait les trois premiers défis. Donc, on est assez tranquille. Mais je vais quand même attendre d'ouvrir le pack 83 x 25. 82 x 25. Après, les Fulbersay, en soi, les... Après, il nous manquera une équipe à 85, une équipe à 88 et à 86. Commencer la 88. Pour voir un petit peu quelle grosse note j'avais à virer. Et pour l'instant, je suis arrivé à cette conclusion-là. Pera, malheureusement, il ne va pas augmenter. Dalot, on s'en fout un petit peu. Enfin, moi, je m'en fous un petit peu, étant donné que j'ai Théo Hernandez en rouge. Après, la porte et tout ça, on s'en fout un petit peu. Bellerin aussi. Neves, du coup, je pense que je vais le jouer ce week-end. Je vais le récupérer pour ce week-end. Ce week-end, en fait, je voulais faire une équipe avec Benz et Giroud, mais je pense que ça va être compliqué. À part si on tape Benz dans une dans nos cartes rouges. Ça va être assez compliqué, mais je pense que je vais me concentrer en fait sur Giroud. Tu vois, dans ces deux packs-là, si ça peut me permettre d'éviter de jeter des Verratti et tout ça, forcément que je vais éviter de les jeter, mais si ça me... Si je peux pas ne pas les jeter, bah... Ils partiront en SBC. Qu'est-ce que je vais faire avec les 8 autres jetons swap? Est-ce que je me prends une icône? Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir des SBC icônes. Esport, en demandant justement des icônes à échanger dedans, tu vois, à jeter dedans. Ah, mais après, en fait, le souci, c'est que j'ai déjà Eusebio et j'ai déjà aussi Figo en portugais. Non, en vrai, je sais pas. De toute façon, ça sera un des deux, hein. Ah, là, clairement, il y a Karim, hein. Ouais, j'ai Karim, c'est de la balle, hein. Allez, pas folle, la Team of Zwick, qui a encore une fois, c'est. En fait, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose toutes les semaines. Ouais, la Team of Zwick, elle est cool. Il y a quelques joueurs qui sont sympas, tu vois. Un petit Fekir, Marquis, Karim, Mertens. Et la plupart, c'est des SBC, quoi. Bounou, c'est pour son but à la 93e, non? Ou à la 91e, je sais plus. Et pour moi, c'est les buteurs parfaits. Il est trop fort en finish, trop fort en placement. Passe courte, 97, 98 en vista, c'est juste excellent. C'est juste excellent. Sa carte, tu peux le jouer en MOC, tu peux le jouer en AT, tu peux le jouer en buteur. La carte, elle est excellente. Oh non, Benzema, ouais, frère. Toi, tu joues avec Walker au cage. Qu'est-ce que tu nous dis là? Comment ça, Benz, il est trop lent. Viens, on se bat. Je pense pas que Karim va redescendre parce qu'il est. Il y a que lui qui marque, en fait, au Real Madrid. Donc. Les investisseurs, ils vont sauter dessus directement sur la carte, tu vois. Après, en soi, dès qu'il baisse, tu peux l'acheter, mais vu que Benz, tu vois, bah voilà, il y a un mec qui dit quoi? Il est trop lent. Et dis-toi qu'il y en a plein qui pensent ça, donc du coup, la carte, elle va pas être trop demandée, tu vois, donc son prix va baisser régulièrement. S'il marque pas, mais s'il continue de marquer, forcément que sa carte, elle va augmenter. De toute façon, si on voit un Français, au moins, ça nous laisse une petite lueur d'espoir. Ok, 3, 2, 1, bam! Évidemment qu'il y a un Français. Mais est-ce que c'est Karim? C'est ça la bonne question. En fait, j'ai déjà fait... Après, je prendrai la grosse note, hein, comme d'habitude. Mais en soi, oui, Klos, c'est pas... Pas mal, oui. C'est pas mal. Ah oui, il a la mort à 76. Allez, la note. Elle sort nous... Il est comment? Il est 93. Elle est 93. Oh, Benz. Viens à la maison, là. Nous, on va te jouer, t'inquiète. On va te jouer jusqu'au bout. Merde. C'est Martin, non? C'est Martin Terrier? Du coup, ça va être... Ah bah, on va prendre Bounou au final. On va prendre Bounou. C'est bien Martin Terrier. Ah, mais on a Oblak en invendable. Quoique Oblak, il est plus évolutif du coup. Bounou, il marque début de la 90e. Ouais, mais c'est le script ça. Tout le monde connaît. Allez, deuxième carte rouge. Bam. C'est parti. Tournons en français là. Pas Terrier, t'as vu? Pas Martin. Niklos. C'est qui en vrai? Ça passe. Y a pas de français. Y a un belge. Y a un turc. Y a un autre allemand. Ils vont me redonner le même allemand. Exactement le même. C'est même pas les Boyles, c'est Putkramer, je crois. Ils nous ont redonné le même mexicain. Heureusement qu'il y a Tialanoglu qui nous sauve un petit peu. 2,84 du coup pour ce week-end. Ça passe en vrai. Un joueur de l'AC Milan et un joueur de Séville. Eh oui, Giroud. Buteur prolifique. Aïe, aïe, aïe. On va marquer des testas, les gars, ce week-end. Des grosses testas. Ah. Il va déboîter les cages. Pas comme contre l'Ukraine. Mais bon, tranquille. Et du coup, la carte informe qu'on avait eue au tout début du jeu dans un renfort Team of the Week garanti. On peut la mettre dans un SBC. Vu que du coup, on a une meilleure version. On a la meilleure version de Giroud. Bon. Neves, c'est fait.
Neves, c'est dans la boîte, les gars. Giroud, lui, il a été animé et tout. On est parti sur le terrain, etc. avec les panneaux. Neves, lui, zéro anime. Belle carte, en tout cas. Belle carte, belle carte. Je vais le tester, on verra si, si on va le garder ou pas. Parce qu'il peut potentiellement se barrer dans le SBC de Zambrotta. Mais pour l'instant, il est en test. On verra ça, du coup, ce week-end. Quelle tactique ce week-end? Comme d'hab, en vrai. Comme d'hab, comme d'hab. De toute façon, on partira comme ça. Valider l'équipe, les gars, ou pas? Bref, les mecs, passez une bonne soirée. Ce week-end, on teste le Gigi, le Giroud. Donc, passez un bon week-end, futur champion ou pas. Et nous, on se retrouve demain, du coup, bah, pour tester Giroud. Passez une bonne soirée. On se capte demain. Ciao, ciao, les mecs.